Bonjour, nous voici ici pour les énergies du jeudi 17 juin. Je suis tombée au Yi Ching sur l'hexagramme 33, qui est l'hexagramme qui s'intitule La retraite. Avant de vous en dire plus, j'ai encore les mains pleines de terre, j'ai travaillé tard. Je vais tirer les cartes. Parce que nous n'avons ni mutant, ni. Alors, nous avons la roue de la fortune. Enfin. Le valet de bâton. Difficile, dis donc. Ah, le cavalier d'épée à l'envers. Le 3 d'épée à l'envers. Le 10 de denier. Nous avons des énergies paradoxales. Et le roi de coupe. Hop. Bon. Je ne vais rien dire. Alors, la roue de la fortune, ce qui se passe, c'est que cette roue, vous pouvez la tourner. Mais il y a quand même l'indice de forte opposition. La retraite prend alors tout son sens. La retraite n'est pas une fuite, mais le fait de se retirer face à la vulgarité. Nous allons dans une belle continuité suite à la percée, la retraite. C'est ce qui est tout bonnement indiqué. On ne vous demande pas de vous retirer de tout dans un couvent ou quoi que ce soit. On vous dit que face à des situations vulgaires où l'on essaie d'avoir de l'influence sur vous ou de se servir de vous pour avoir de l'influence, on vous demande de prendre du recul, de rester en réserve face à de telles façons d'être. La roue de la fortune, couplée aux 3 d'épée, indique que vous n'avez pas encore tous les éléments pour tourner cette roue. Mais cela importe peu, finalement, parce que les cartes sont assez cohérentes. On vous dit que derrière, que finalement vous avez le choix d'incarner ce sphinx, d'incarner l'énigme et de laisser les forces contraires se battre sans vous. Et c'est ce que je vous conseille, et c'est ce que conseille le Yikin avec la retraite. On vous dit que suite à quelque chose qui vous a ulcéré ou écœuré, on vous dit que quelque chose renaît, que cette chose vous ne pouvez pas encore le n'est pas encore palpable. Cela fait plusieurs jours que je vous indique que le grand présent est la voie. Je sais, facile à dire, pas toujours facile à faire. On vous dit que plutôt que de chercher à gravir les échelons, le mieux que vous ayez à faire actuellement, c'est d'humblement demander de l'aide. On ne vous demande pas de taper à toutes les portes pour demander de l'aide, mais de commencez avec le grand présent, dans le grand présent, quand les situations s'y prêtent, de dire ce dont vous avez besoin, tout simplement. On vous dit que si vous ne faites pas ça, les choses risquent de se compliquer. Ce qu'il faut mettre en réserve, c'est la vulgarité. Mais ne vous retenez pas de communiquer vos besoins.
et de ainsi que de communiquer vos capacités, comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il me semble. Nous avons un 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est la carte du contentement. C'est la carte qui sait, qui symbolise le fait que vous savez que faire pour vous faire du bien. Vous savez que faire pour vous réaligner. Alors, si vous le savez, plus rien ne vous empêche de partir à la conquête de votre liberté. C'est ce qu'il veut. De ce côté-là, il revendique quelque chose, ce qui le rend dangereux pour lui-même et pour autrui, parce que il n'a pas forcément conscience qu'il risque d'écraser certaines ambitions en revendiquant. Là, non. Là, on a quelqu'un qui est résolu, qui revendique sa liberté et qui est prêt à faire fi des combats. Il préfère obtenir la liberté par lui-même que par la satisfaction d'avoir vaincu, d'avoir convaincu, j'ai envie de dire. Donc vous n'allez pas chercher à convaincre, vous allez plutôt vous affermir dans votre liberté. Et le roi de coupe nous montre qu'effectivement vous serez en mesure de diffuser vos ordonnances sans problème. Donc on a une petite histoire en fait. C'est pas mal. On n'a pas de temps. Donc pour moi, là j'ai l'impression de vous avoir expliqué le sens de cette retraite. La retraite ne signifie pas le fait de tout abandonner. La retraite n'est pas une fuite. La retraite est un signe de force. En refusant de pactiser avec certaines façons de faire qui ne font pas partie de vos valeurs ou de vos principes, vous augmentez votre bien-être et votre force de conviction. Et cela vous sera rendu, on le voit grâce à ce roi de coupe, c'est-à-dire vous aurez, à mon avis, l'occasion, en gardant cette posture de réserve face à ce qui ne vous convient plus, vous aurez la faculté assez rapidement, ce ne sera peut-être pas demain, ce sera peut-être après-demain, on verra, mais en tout cas, vous aurez la certitude d'avoir pris le bon chemin et sans doute certaines communications vous prouveront que vous avez choisi la bonne voie en choisissant une voie peut-être plus autonome, mais moins sujette aux intrigues, aux basses intrigues. C'est ce que j'appelle les intrigues de basse cour. Je vais aller voir si le livre, si quelques phrases du livre peuvent nous... Ainsi, l'homme noble tient le vulgaire à distance, sans colère, mais avec mesure. Dans les petites choses, la persévérance est avantageuse. Voilà, on dit de préférer la retraite plutôt, c'est un signe de force, plutôt que d'engager un combat désespéré à la vie ou à la mort. Ainsi, on n'abandonne pas purement et simplement le champ de bataille à l'adversaire, mais on lui rend l'avance difficile en manifestant encore de la résistance en des points isolés. De cette manière, on prépare déjà la contre-offensive dans la retraite. Comprendre la loi d'une telle retraite active n'est pas aisé. La signification que recèle un tel moment est importante. C'est l'image de la manière dont l'homme noble se conduit à l'égard de l'homme vulgaire qui s'élève. Il se retire devant lui et se recueille en lui-même. Il ne le hait pas, car la haine est une sorte de participation par laquelle on se lie à l'objet haï. L'homme noble manifeste de la force
en contraignant l'homme vulgaire à l'immobilité par sa réserve. Donc j'espère que vous avez bien compris le sens de cette journée. Donc on vous demande de ne pas douter de vous, d'être l'énigme. On vous dit que la roue ne peut pas tourner pour l'instant parce que les forces antagonistes entravent la chose. Moi je trouve qu'on se débrouille plutôt pas mal. Hein. Bon ben voilà, c'était un petit tirage avant d'aller me laver les mains et de passer à autre chose, genre dormir. Bon, je vous dis à bientôt, demain je ferai d'autres signes. Armoire. Hein?